m'imagine dans ma tête des personnages de série, dans un monde déchu occupé par les zombies. Fallait se battre à bord, avoir une chance de survie. Moi je me suis mis à bord avec un espoir de vie. Je pars à l'aventure, donc j'ai enfilé ma veste. Je me déplace dans les campagnes, ou du moins ce qu'il en reste. En conduisant un tout terrain, je fais de ville en ville, mais en veillant toutefois à ne pas partir en vrille. Entends chanter les cloches d'une église de Carcassonne. Elles sonnent, elles résonnent et je résonne comme personne. Un être humain est peut-être encore resté en vie. Le tuer pour le manger, mais je n'en ai plus envie. Et je cours comme Tomb Raider, recherchant des survivants. Et je bourre comme Tomb Raider pendant que je suis vivant. Et je coupe et découpe et recoupe toutes ces putains de ronces. Et je groupe et regroupe la troupe des zombies qui pioncent. Enchaîne les kilomètres sur le dos des montagnes. Installe le cellomètre pour voir que le neige stagne. Moins de poteaux, les ailes déployées dans l'air. Moins d'indices, les zombies déchiquetés par terre. Je cherche, je vous le dis pas, ça ressemble à un barrage. Dans ce moulin, je moule du pain. C'est pour mon œsophage. Ce que je veux en vérité, c'est de l'électricité. Faire tourner une petite idée, c'est de loin mon plus grand souhait. Tour d'un virage, une montagne de carcasses. Les mouches tourbillonnent et le sang dégouline encore. C'est dégueulasse, faut que je nettoie quoi qu'il se passe. Autant de cadavres ne peuvent pas rester dans le décor. Comme arme une massue, arpentant toutes les rues, cherchant une recrue pour soulever cette charrue. Tout espoir a disparu quand soudain signe m'est apparu. Une jolie femme nue avec son joli bon petit cul. J'arrive dans une ville, les rues sont complètement désertes. Remarque que les survivants n'ont pas tous survécu. Même dans les souterrains, la vie est quasiment inerte. Je marque mon chemin pour ne pas être jamais perdu. J'arrive dans un château tout fortifié de part en part. Une masse de zombies hurlantes arrive dans le noir. Alors je monte sur les murailles pour sanctifier les remparts. Oui, enfin je vais pouvoir me reposer dans les dortoirs. Trois semaines ont passé déjà et la sonnette se met à déconner. J'enfourche mon gun et je suis prêt à défoncer. Entre-ouvre la porte alors qu'il allait l'enfoncer. Un vrai zombie vivant conscient se mettait à me parler. Il me disait, tu sais quoi, je ne suis pas ton ennemi. Le gardien a un cerveau et j'arrive même à te parler. Un vrai se transformait et je sentais qu'il avait blémi. Mais alors que je restais là planté, tous ses potes sont arrivés. L'histoire se termine ainsi, messieurs, dames, je vous en prie. Veuillez ne pas juger mon histoire qui peut-être vous inspire. La morale, s'il y en a qu'une, c'est que tout peut changer. Laissez la vie partir là où elle veut vraiment aller.